Super Mario et le pêcheur masqué, alias Petit Papa, sont arrivés un peu plus tôt en Lozère, faisant la connaissance de Gaël, le pêcheur à la barre, en compagnie de Dominique Gilles. Après un petit ruisseau fait le jeudi après-midi qui leur procurera pas mal de plaisir et de petits poissons, ils tenteront une grande rivière le vendredi matin, mais sans grand succès, en attendant que le reste de la bande arrive pour commencer notre ouverture. Un peu différé, mais notre ouverture. Alors comme prévu, mouche naturelle sur un petit hameçon. Les eaux sont très très froides, donc on va voir ce que ça peut donner. Mais tant pis, on tente, comme on l'a dit, on le fait. C'est parti. L'entrée au premier coup de canne, c'est un toc sur cette mouche naturelle. Je suis plein d'espoir. Je me dis que ce pari tenté va payer. Et je vais vite devoir déchanter. Et comme je ne suis pas mazo, je passe vite à une autre technique, le verre. Spécialiste de la barre qui nous met une vraie branlée. Bon après, il faut dire qu'elles font deux. Hein, elle est belle. Non, je déconne. Ah, 17, 18. Ah, elle vient peut-être. Elle est pas mal. Nous sommes dans un cadre que nous découvrons. Et c'est un vrai plaisir. Pour nous, cette découverte de la Lozère commence sous le meilleur auspice. Lozérienne avec leurs robes magnifiques, elles sont vraiment splendides. Bien entendu, José n'oublie pas la tradition ultime de bisous avant de la laisser repartir dans le lit de la rivière. Petit Papa tient au bout de sa ligne une très belle truite. Une des plus belles prises du week-end. Oui, que voulez-vous, on s'en contentera. Nous ne jouons pas dans la championnite hein, ou dans la cour des grands. Nous, notre plaisir, même en touchant des petites truites, est déjà immense. C'est le moment où notre ami Passepartout va recevoir les conseils avisés de notre ami Dominique Gilles. Thank you.
Il n'y a plus de verre. Hein? T'en as fait une? Si, parce qu'on en tape presque une là. Ouais, je tape presque à chaque fois. C'est une superbe après-midi. Allez, on passe au lendemain. Moto sur le haut plateau de l'Aubrac. Et comme on peut le voir, il y a quand même un petit peu de neige sur le bord de la route. Donc on risque d'avoir un peu frais. Dans ce magnifique paysage, nous allons découvrir de superbes petites rivières, notamment la source du Bess, un endroit splendide. Ce matin, nous allons connaître un superbe capot. Mais oui, que voulez-vous, ça fait partie de la pêche, il faut l'accepter. Pourtant, nous sommes sur une magnifique rivière lozérienne, où nous savons qu'il y a du beau poisson. Malheureusement, l'eau est tellement froide qu'elle doit être tankée sous les pierres. Seul Quet tirera son épingle du jeu sur une autre rivière. Il sera le seul membre du team à ne pas être capot ce matin. L'après-midi, changement de décor et changement de musique également. Nos cannes se plient. C'est un réel bonheur et un réel plaisir que nous offre le combat de ces truites. Je n'oublierai pas sur celle-là de l'embrasser de la part de Jean-Pierre qui n'a pu être parmi nous pour des raisons de santé. Remise à l'eau, il y a encore du boulot. Là, je crois que c'est nous qu'on va devoir tenter. Donc la pêche tout seul, pour lui c'est la meilleure pêche. Découvre en notre compagnie une autre manière de pêcher, une autre pêche comme il le dira lui-même. Et il tombera dans le jeu de la connerie. Il utilisera nos cannes à chacun pour s'amuser à péter nos hameçons. Allez, on change de décor et on retrouve un autre groupe sur un petit ruisseau. Et ici, Pierre en action qui attrape une truite.
seconde journée magnifique, tout le monde aura finalement touché du poisson après le capot du matin. Maintenant, place à un succulent repas. Très mauvaise condition de pêche pour la première équipe sur la première rivière lozérienne, un peu plus bas où c'est que la pluie s'est invitée au rendez-vous. Peu de toc, et seule une nouvelle fois notre quad national tirera son épingle du jeu en sortant une belle dame. Les truites sont vraiment actives, mais avec on n'arrête pas de les décrocher. Il y a mort de faim, mais on n'arrête pas. Si je peux dire, avec une belle petite maillée, avec une magnifique robe. Je vais limiter quelques secondes plus tard, mais malheureusement pour moi, ça sera un magnifique décroché. Ainsi s'achève notre week-end en Lozère, magnifique week-end de partage, de rigolade, de bonne bouffe. Vraiment une Lozère magnifique où les truites, comme on le voit sur cette superbe photo, mordaient très fin. On se quitte avec cette magnifique belle truite de notre ami Bernard.